Quel est le lien entre Ségolène Royal, Valérie Trierweiler et Julie Gayet? Eh oui, les roses. Dès qu'elles en ont l'occasion, ces femmes s'affichent avec des roses. Et si toutes les histoires d'amour de François Hollande n'étaient qu'une campagne de communication des fleuristes? Déjà, le parti de François Hollande. Sur le logo socialiste, son site, partout, le parti fait l'apologie du lobby des producteurs de roses. Parti socialiste, c'est en plus l'anagramme de « il pactisait rose ». Donc, François Hollande pactise avec l'industrie de la rose. Et Valérie Trierweiler, elle est née où? Dans le quartier de la Roseraie à Angers. Comme par hasard. Sur la carte du marché mondial de la rose, on remarque aussi que le principal pays producteur, c'est les Pays-Bas. Autrement dit, la Hollande. Ben voyons. Maintenant, regardez le nom de la fille de François Hollande. Flora. Ça ne vous rappelle rien? Eh oui. C'est le même nom exactement que le plus gros distributeur de roses au monde, la société Flora Hollande. Coïncidence? Je ne crois pas. Pour finir, les conquêtes de François Hollande portent bizarrement toutes des noms de villes. Royal dans le Finistère, Gayet en Dordogne et Trierweiler en Allemagne. Et quand on les relie entre elles, qu'est-ce qui saute aux yeux? Bien vu, ça forme exactement la part de la France dans la consommation de roses en Europe. Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.